Bienvenue sur David Imont. Alors la question c'est la suivante qui est le patron Le propriétaire du bien immobilier à vendre ou l'agence À tout de suite. Eh bien le patron c'est pas forcément celui qu'on pense. Basiquement un patron dans une entreprise c'est la personne qui donne du travail à ses employés. Donc on pourrait penser que le patron, c'est l'agence qui donne du travail à ses employés. Je ne pense pas que c'est le bon point de vue. Parce que pour mériter son salaire, il faut faire le travail. Et celui qui donne le travail, ce n'est pas l'agence, c'est le propriétaire. Donc si vous, en tant que propriétaire, vous avez un bien à vendre et que vous donnez le travail, en fait, à un agent ou à une agence, le patron, c'est vous. Et donc l'agent, il travaille à votre service ou l'agence, elle travaille à votre service. Et son rôle, c'est pas de vous imposer les choses, c'est de vous faire comprendre les choses, ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce que l'agent, il est là pour vous expliquer pourquoi sur le marché aujourd'hui, votre bien il vaut tant. Pourquoi est-ce qu'on doit faire des photos de qualité supérieure pourquoi est-ce qu'il faut passer à la vidéo aujourd'hui avec les médias qu'on a avec les réseaux sociaux. Il doit vous faire comprendre à vous le propriétaire pourquoi pourquoi pourquoi. Et s'il fait que vous imposer des choses et que vous ne comprenez pas ce qu'il fait, vous n'allez pas créer de relation. Et une vente immobilière de qualité, c'est une vente en équipe entre le propriétaire et l'agent immobilier qui s'occupe du bien. Donc si vous vouliez savoir qui est le patron, eh ben, le patron c'est le propriétaire, toujours. Et si on vous fait croire autre chose, virez-le. Et si c'est moi, virez-moi, mais je vous ferai pas croire ça. Allez, ici David Imo, depuis le Haut du Jura, je vous souhaite une toute bonne journée, profitez bien, à très bientôt.